Avec CyberLink Power Director 8, il est facile d'utiliser vos vidéos pour créer un mur vidéo. Pour créer un mur vidéo dans CyberLink Power Director 8, vous devez d'abord ajouter davantage de pistes PIP à la ligne de temps en utilisant le gestionnaire de pistes. Le gestionnaire de pistes vous permet maintenant d'ajouter jusqu'à 9 pistes PIP et 3 pistes musique. Dans cet exemple, nous ajoutons toutes les 9 pistes PIP. Le nombre de vidéos que vous souhaitez pour votre mur vidéo va déterminer le nombre de pistes que vous devez ajouter. Assurez-vous de sélectionner le bouton Ajuster la ligne de temps pour pouvoir voir toutes les pistes en même temps. Maintenant, ajoutez la première vidéo à la première piste PIP. Vous n'avez pas besoin d'ajuster deux vidéos à la piste principale pour créer un mur vidéo. Sélectionnez d'abord la vidéo PIP, puis les options d'affichage dessous la fenêtre de prévisualisation. Pour plus de facilité dans le processus de création du mur vidéo, assurez-vous que l'option magnétisme soit sélectionnée. Affichez également la grille pour l'utiliser comme guide lorsque vous positionnez vos vidéos sur le mur. Nous allons sélectionner 3 par 3. Nous pouvons alors positionner facilement 9 vidéos sur le mur vidéo. Maintenant, positionnez simplement la première vidéo PIP au bon endroit en vous aidant de la grille. Remarquez que parce que nous avons sélectionné l'option magnétisme de la grille, la vidéo se positionne facilement là où nous le souhaitons. Maintenant, répétez cette dernière étape avec toutes les vidéos que vous souhaitez placer sur votre mur vidéo. Si vous souhaitez que les vidéos débutent à des intervalles différents, il suffit de déplacer chaque vidéo sur chaque piste PIP à l'endroit où vous souhaitez que la vidéo débute. La vidéo finale ressemblera à quelque chose comme ça. Revoyons maintenant les étapes de création d'un mur vidéo dans CyberLink Power Director 8. Ajoutez d'abord des pistes PIP dans le gestionnaire de pistes. Affichez la grille magnétique pour l'utiliser comme référence. Positionnez vos vidéos sur les pistes PIP. Et bien sûr, n'hésitez pas à user de créativité.